Hi everybody, and welcome to Fan de Nouvelle Technologie. Ouais, bon ok, on va la faire en français, ça va être plus simple. Salut à tous et bienvenue sur Fan de Nouvelle Technologie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui va plaire à beaucoup d'entre vous. Je vais vous faire un aveu, ça me plaît aussi. Il y a pas mal d'objets qui sont beaux, intéressants, intelligents. Mais là, je vais vous présenter quelque chose d'utile. Certains d'entre vous ont sûrement des problèmes de connexion chez eux. Je m'explique. Vous avez chez vous une box. Quand vous êtes à côté de la box, ça va plutôt bien. Dès que vous vous en éloignez, le Wi-Fi descend drastiquement, voire disparaît dans certaines pièces de la maison. Et bien là, j'ai une solution pour vous aujourd'hui et vous allez être super content d'avoir regardé cette vidéo. Ouais. Si les ondes Wi-Fi ne passent pas à travers les murs de chez vous, parce que vous avez des murs qui sont à l'ancienne, des murs bien costauds, soit vous avez une grande maison, et là, ça veut dire que vous êtes plutôt riche. Ou alors que vous n'êtes pas chez vous. Le système dont je vais vous parler aujourd'hui permet d'éviter ça. Comment? On va le voir ensemble. Oh! Décidément. Waouh! Nous allons parler aujourd'hui du kit CPL AV1000 de chez TP-Link. CPL? Kezako. Eh bien, le système est plutôt simple. Très simple. Trop simple. Justement, c'est ça qui est bon. On va le déballer tout de suite, vous allez mieux comprendre. Et voilà, c'est tout, il n'y a que ça. Les déballages sont d'habitude beaucoup plus longs, mais vous voyez là, ça se résume à deux objets. L'idée, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est de passer par un port Ethernet au lieu de passer par le Wi-Fi. Sans avoir à passer un fil dans toute la maison. Comment c'est possible? Je vais vous expliquer. Premièrement, vous branchez un CPL directement sur une prise murale. Alors, vous avez vu, vous pouvez aussi brancher derrière d'autres choses, donc ça c'est plus trop pratique. Important de ne pas brancher le CPL sur une multiprise, mais bien directement sur la prise murale pour plus d'efficacité. Et après, si vous voulez brancher votre multiprise sur le CPL, vous le faites. Vous branchez ensuite votre cordon Ethernet dedans. De l'autre côté, vous le reliez à votre box. La première étape est terminée. Deuxième étape, vous prenez le deuxième CPL, vous le branchez dans votre bureau, qui admettons est à l'autre bout de la maison. Vous branchez le port Ethernet sur le CPL et l'autre bout sur votre ordinateur. Et devinez quoi? Ça sera aussi efficace que si vous étiez directement branché en Ethernet de l'ordinateur à votre box. Comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce que ça passe par le courant électrique. Et c'est ça qui est très bien pensé. L'installation est aussi simple que ça. Vous branchez d'un côté, vous branchez de l'autre, et c'est instantané. Il n'y a rien à régler. Le premier avantage, évidemment, c'est que ça augmente considérablement la connexion. On va regarder deux exemples. Là, vous avez un test que j'ai fait sur le Wi-Fi. Donc, j'ai une pièce qui est relativement éloignée de la box et on va voir les résultats apparaître. Maintenant, on va faire le même test, sauf que là, on s'est retiré du Wi-Fi et je me suis branché avec le système de chez TP-Link. Vous voyez vraiment qu'il y a une énorme différence de connexion lorsqu'on utilise le Wi-Fi dans cette pièce et lorsqu'on utilise les kits CPL AV1000 de chez TP-Link. Vous l'avez compris, donc au-delà du fait que si on est dans le cadre d'un bureau, on va pouvoir travailler convenablement. Si vous êtes dans une chambre, vous allez enfin pouvoir regarder la télévision ou jouer à la console en ligne normalement. Bref, ça va aller tout de suite beaucoup mieux. L'avantage, je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est que ça ne bloque pas une prise. C'est-à-dire que vous le mettez et vous pouvez ensuite brancher tous vos appareils, quitte à brancher une multiprise directement dessus. Et croyez-moi, moi j'ai branché des multiprises, de multiprises, de multiprises dessus. Et j'arrive toujours à avoir une super connexion. Autre avantage, c'est que le CPL est plutôt intelligent. C'est-à-dire que si rien n'est connecté ou si rien ne fonctionne dessus, il va automatiquement passer en mode veille et faire baisser du coup votre consommation électrique de 85%. Je vous rassure, même si vous avez une super grande maison, tout va bien, ça va jusqu'à 300 mètres de portée par le réseau électrique. Pour la sécurité des CPL, il y a également un système de chiffrement des CPL 128 bits. Comme quoi, il est possible de faire des produits simples à déballer, rapides à installer, et efficace immédiatement. Vous l'avez compris, je vous recommande chaudement ces CPL de chez TP-Link. Ça fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce qu'on dit? Et on dit je m'abonne. T'avais trouvé toi là-bas. Merci à tous
pour votre fidélité. Merci à tous pour vos commentaires. Merci de partager. Merci de liker. Merci d'être beau. Merci d'être fort. Merci d'être grand. J'ai plein d'autres trucs cool qui vont arriver en vidéo bientôt. Alors abonnez-vous, comme ça vous serez au courant dès qu'une vidéo arrive. Salut à tous. Salut Marco. Salut Laurent. Serge. Jérémy. Ah, Alexandre. Patricia. Pascal. Olivier. Guillaume. DKR 1962. Pascal. Emmanuel. Arnaud. Scorpio 2B. Cécile. Garaba. Papilou. Ilan. Romain. Jean. Somebody. Frédéric. Aaron. Raj 65500. Vincent. Steph. Norbert. Sofiane.